Alors Béatrice, je le disais à l'instant, les coups de cœur, c'est pas fini, bien loin de là, ça continue. Alors preuve en est, tiens, on a évoqué la Ligue contre le cancer dont s'occupe Alain Souchon, on va le voir tout de suite. La crèche de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Alors on va l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Le site participatif Ulule qui vous a donné un sacré coup de main pour cette expo. Romain Verrier, un artiste qui était présent, coup de cœur aussi. Les collections de vêtements de Laurent Voulzy, oui, il y a du lourd hein, dans ce son. Et puis alors quand même, on va terminer par quelque chose qui a énormément touché et ému Alain Souchon. Votre collection des livres de sa maman. Alors là, c'est un grand moment à vivre là. Voilà, parce que bon, Alain, il est arrivé donc à l'endroit où j'avais exposé toute la collection de livres écrits par sa maman dans les années 50-60, et il nous a expliqué, bon, comme vous l'entendrez, voilà, que c'était pour un peu gagner sa vie, quoi. Hein. Et alors, en plus, il y avait un exemplaire signé par Sa maman. Sa maman pour la cousine Juliette dont il nous a parlé. Et c'est Très belle vraiment. séquence, et puis on avait déjà une séquence avant, juste un petit mot, avec la présence du fondateur de la crèche vivante de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Ah oui, alors ça c'est extraordinaire parce que bon, Patrice Deniau a fait le déplacement de Saint-Hilaire-du-Harcouët pour être présent ce matin-là de notre inauguration, sans savoir qu'Alain serait Oui. là. Ouais. Et donc voilà, ils ont eu vraiment plaisir à se retrouver. Et vous allez voir une rencontre historique avec des anecdotes en exclusivité, encore une fois, pour vous, Béatrice, pour nous, ce n'est que du bonheur. À écouter tout de suite, tiens. Je tiens aussi à parler de ton action que tu fais pour la Ligue contre le cancer. Tu te rappelles de cet album que tu avais Oui, fait? j'avais pris des chansons de mon enfance, Voilà. comme chantaient mes parents, qui m'ont donné envie de chanter, en fait. C'est-à-dire que ce que j'aimais dans les chansons, c'était que ça raconte des histoires. J'aimais pas les chansons où le texte était absent. J'aimais bien qu'il y ait un texte fort, qui raconte un truc. Et ça m'a frappé. Alors j'ai fait un disque avec ça, Voilà. et j'ai donné le. Puisque ce n'était pas des chansons de moi, j'ai donné les droits à la Ligue contre le cancer. Et c'était Parce qu'on très... a tous peur d'avoir Voilà. ça. Et ce qui Alors, était très touchant je aussi, me suis c'est... dit que peut-être le bon Dieu, s'il voyait que je faisais un truc pour le cancer, il ne me le mettrait pas, le Ah, cancer. Ouais, bah, je pense qu'il vous a écouté. Hein, Voilà. Alors Alain, nouvelle surprise pour toi. Ah, ça n'arrête pas aujourd'hui, hein, c'est surprise, Est-ce surprise. que la crèche de Saint-Hilaire-du-Harcouët t'évoque quelque chose? Bah, évidemment. Eh bien écoute, devine... J'ai été là-bas il y a quelques années, c'était. Et. On a été pris dans une tempête de neige. Voilà, bah Donc devine. tous les gens nous attendaient, un peu comme ici, des gens sympas qui venaient, qui attendaient. En disant... Et puis, on était bloqués sur la route à cause de la neige, mais on y restait vraiment très très longtemps. Il Hein. paraît, elle m'a Oui, raconté ça, Béa. Regarde qui est là, là. Patrice Deniau. Patrice Ah, Deniau. ça va, Patrice, bonjour. 4 h 30 pour faire 60 km. N'est-ce pas, hein, tu te rappelles? Monsieur C'est Patrice moi qui Deniau, conduisais. la crèche de vivant de Saint-Hilaire, on peut vous applaudir, Patrice Deniau. Il y avait des files de camions arrêtés qui pataugeaient, tout ça. Là. Voilà, bah, je l'ai, oui, Oui, bien je suis sûr. Bien sûr. Oui, non, mais Alors, ce que monsieur je veux dire, Deniau, t'as c'est un vu. sacré coup de cœur de voir notre ami Alain, puis Fabien Ah, de Lecoeur. revoir, de C'est le bien mon revoir. souvenir, ça. C'est vachement bien aussi ce qu'il fait, lui. Il fait une crèche et tout ça. Tout. Et il y Rappelle-toi a cette plein de gens. photo-là. Bien sûr, On était jeunes, bien sûr. 87. Bah, on était jeunes, on est toujours. Hein, tu sais, Et lui, tu te souviens d'un gars qui est avec toi à Cluses? Ah On avait discuté. oui! Il est Ah avec oui, toi t'as raison, au au Cluses. collège de Cluses. Au collège de Cluses. Et ouais, que de souvenirs d'un seul coup comme ça qui reviennent, c'est formidable. Et ça, bah, c'est là, je dis, c'est le génie un petit peu de Béatrice qui sait rassembler les gens au bon moment, à l'instant T, tout le monde se retrouve là, comme par hasard. Au fait, non, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas, monsieur François Michelon? J'aime beaucoup, des fois, on dit hasard ou pas hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans cette vie. Alors, Béatrice, on continue un petit Oui, peu. Je crois qu'on arrive bientôt enfin, il y au a encore quelque chose, quelque chose. des choses importantes à en montrer à Alain. Donc là, ici, bah, on évoquait tout à l'heure la tournée 89-90. Donc je suis repartie Ah, quand mais même c'est vrai avec que ce magnifique j'ai trophée. été jeune à un moment. Ouais. Et justement, Alain Berger, dont on parlait tout à l'heure, m'a offert cette. Il m'a dit, Béatrice, Ah, c'est à toi d'accord. qu'elle revient, cette. C'était sur un film, ça, je crois. Non? Oui, je ne sais pas la photo quand, Ah mais ouais. enfin, c'était. Voilà. Et donc, tout ce qui. Le roadbook. Parce que bon, bah, j'ai eu droit au roadbook. Ah ouais, Ah, c'est mais sympa. elle a beaucoup de Tel jour, choses, à hein, telle heure, Béatrice. tel Elle a beaucoup de hôtel, droits, hein, tel n'est-ce pas, machin, Fabien? telle heure la Voilà. répétition, telle heure. Voilà. Alors ici, Alain, j'ai. Alors ici, je tiens justement à en profiter parce que, Alain, si j'ai pu monter cette exposition, c'est parce que déjà le maire m'a proposé de pouvoir la faire dans cette salle. Monsieur Ledoux. Monsieur Ledoux, que je remercie vraiment du fond du cœur. Merci, Monsieur On fera un Ledoux. petit discours dans quelques Oui, on va instants. aller Il y a un discuter petit tout à discours quand l'heure même pour... officiel, Voilà. bien sûr. Mais
Il y a eu aussi le financement participatif des contributeurs Ulule pour une valeur quand même de 1 000 euros. J'ai réussi à récolter 1 000 euros. Ulule, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui participent financièrement en donnant 10, 20, 30, voire plus sur une plateforme de financement participatif. Et moi, après, j'ai le versement de cet argent. Et moi, j'offre en contrepartie des choses, alors, entre autres mes livres, et etc. Donc, il faut savoir que ça m'a permis de récolter 1 000 euros, mais que ça n'a représenté qu'un tiers du budget. Et que les deux autres tiers, c'est par mes fonds personnels que j'ai financé tout ce que vous voyez en vitrine, cadre, tout ce qui... Voilà. Alors, ici... Et oui, les gens ont bien répondu, en tout cas, parce que c'est pas évident, sur les plateformes comme ça, des fois, il n'y a pas de réponse. Alors ici, on a une rétrospective à travers deux classeurs de toute la discographie, Laurent Voulzy, Alain Souchon. J'ai aussi ici des œuvres faites. Alors, il y a Romain qui est là, j'espère que... Ah, viens là, Romain. Bonjour, Romain. Alors, Romain. Romain Verrier. Alors, Romain Verrier, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, décidément, tout le monde est là, les artistes sont là. C'est lui qui a fait ces deux magnifiques portraits d'Alain et Laurent. Ah, dis donc. Voilà. Donc la rencontre. Alors, petit commentaire comme ça. Vous êtes c'est sympa d'être là. C'est surtout marrant de voir un artiste qui vous croque votre visage comme ça. C'est formidable. C'est fait avec quoi? Pas au crayon, c'est fait avec. C'est fait juste à la peinture simple, de la gouache. Avec de la gouache, à partir d'une photo, parce que je vois la photo d'où ça vient. Et alors vous y allez avec la peinture noire, la gouache noire. Oui, de base, je fais un crayonné tout simple, et puis ensuite, je passe à l'encre. Et une fois que j'ai passé les traits à l'encre, je finis sur une gouache. Vous faites le fond noir d'abord, ou bien il vient après le fond noir? Il vient après, oui. En tout cas, c'est très... En tout cas, très beau boulot qu'on vous applaudira tout à l'heure. Je crois que ça mérite aussi un coup de chapeau de la salle. Bravo, Puis c'est sympa. Voilà. Voilà. Et je tiens à dire que Romain a fait ses œuvres en me les offrant à l'expo en disant... Sympa ça, sympa. Ça mérite un bis. C'est comme le hors-taxe tout à l'heure ou la TVA. Allez. On met le TTC là. Bon. Il y a aussi deux photos en noir et blanc, photos de scène d'Alain et Laurent qui ont été faites par un photographe qui n'est pas là aujourd'hui, Jean-Michel Do. Voilà. Alors, moi, juste un commentaire. J'étais un passionné d'argentique à une époque. Maintenant, c'est numérique. Ah. Et quand on voit qu'ici, nous sommes dans la salle Brassaille et qu'on a de magnifiques photos, je crois que là aussi, il n'y a pas de hasard. Son étoile, Monsieur Brassaille, grand photographe argentique qui a marqué les esprits de la France, que connaît bien tous nos artistes. Merci, Monsieur Brassaille. Vincent Bellerme, il fait une exposition de photos. Mais que argentique, il fait ça, du photo argentique. C'est qu'on développe. Mais qu'on développe avec la lumière rouge dans son petit laboratoire. Alors ici, peut-être que justement personne ne le sait forcément, que Laurent Voulzy a eu l'occasion de faire une collection de vêtements pour petites filles de 2 à 12 ans. Donc en voici quelques exemplaires représentés ici. C'est cœur grenadine. Cœur grenadine. D'accord. Voilà. Ouais. Et alors Alain, alors là on va passer à quelque chose... Amour et haute couture. Ah, c'est ma mère qui avait écrit ça. Voilà. Alors voilà toute la bibliographie. Elle faisait des romans comme ça. Toute la bibliographie et tous les livres qui sont là, Alain. Ah oui. Oh, c'est drôle. Parce que ma mère, c'était une femme qui était passionnée de culture en général, qui aimait le théâtre, qui aimait... Et alors, pour gagner sa croûte, elle s'est mise, quand mon père est mort, elle s'est mise à faire des bouquins. Mais en disant, c'est des bouquins faciles, c'est une écriture facile, et je sais ce que je fais, je suis consciente, mais je le fais pour gagner ma vie. Et elle s'est bien débrouillée, parce qu'à chaque fois, on allait en vacances en Italie et tout, elle se débrouillait, parce qu'elle n'avait plus de ronds quand mon père est mort. Donc avec ça, elle s'est bien débrouillée. Et je la voyais en bavée avec sa machine à écrire à la campagne, elle était là, elle disait, je ne sais plus quoi leur faire à mes personnages. Là, il y avait des fois le blanc, ce qu'on appelle le blanc. Voilà. La page blanche. Alors Alain, parmi les livres que je me suis procuré un peu sur différents sites... Attends, c'est que j'en ai un dédicacé par ta maman. C'est l'écriture de ma mère. Juliette à Valentinier, là-bas, dans le territoire de Belfort. Oui. Oh oui, c'est fort. Ça, c'est un sacré coup de cœur. Miss Darnell Starlet, c'est le premier. Dans les années 50, elle a fait ça. Voilà, donc j'ai voulu rendre hommage à ta maman, quelque part. Écoute, ça me touche beaucoup. Tu veux pas me faire
une photo de tous ces livres? Oui, ah bah, si, bien sûr. Vous inquiétez pas, il y a une photo de ça. Oui, ah bah, sans problème, je te ferai. Oh, t'es gentil. Moi, je crois que je l'ai fait hier. Par hasard, ah bah j'ai dû la faire hier. Oui, oui. Ah oui, c'est sympa, parce que moi, je ne les ai pas toutes cette bah, c'est, ah, voilà, Alain n'a pas ça. Alain n'a pas ça. Mais j'ai pas. On raconte un peu le travail de collection, d'archives. Alors, c'est dommage que Laurent ne soit pas là, malheureusement. Mais il faut savoir que Laurent, avant d'être connu, a collaboré à ce projet donc, qui était une méthode d'apprentissage de l'anglais qui s'appelle Pop English. Crocodile in an aquarium. Ah oui. Et que donc, actuellement, elle existe toujours cette collection et qu'elle se décline en anglais, allemand, chinois, espagnol et français. Ben, ils ne parlent pas chinois, espagnol et tout ça. Ah ben, c'est des méthodes de langue. Ah oui, c'est pas, ils ont adapté la musique à chaque fois. Voilà. Alors Béatrice, j'ai vu qu'il y a un appareil photo qui était prêt. Je crois que les photos, ça y est, elles vont partir très vite à Alain là, pour ces livres-là. Oui, parce qu'Alain m'a dit, oh écoute Béatrice, il faudrait que tu m'envoies la photo de vraiment la présentation que tu as fait de tous les livres mis en petite vitrine comme ça. Alors donc voilà, ça a été envoyé et donc j'espère qu'il a bien réceptionné le mail avec les photos. Et plus nous écoutons, alors on avance dans les sons, dans cette rétrospective et j'ai l'impression, à chaque coup, ben, on ne le voit pas là, hein, mais vous avez, quand vous écoutez le son, ah oui il y avait ça, ah puis il a dit ça, c'est fantastique, c'est des choses qu'on n'a pas entendues hier peut-être, hein, c'est normal. Bah, c'est vrai que quand on vit l'instant présent, qui a été très intense, et avec plein de choses qui se sont passées, des petits détails et tout, bon, bah, après quand on les réécoute, hein, on se dit « Ah, c'est vrai qu'il a dit ça, ah bah tiens, il a expliqué ci, ah bah il nous a raconté ça. » Et c'est vrai que bon, bah, là, le plaisir que c'est à réécouter, c'est absolument fabuleux. Donc ça va, mission gagnée pour moi de vous avoir fait plaisir encore une fois. Bah Michel, vraiment, ça a été fabuleux déjà que vous soyez présent et que vous soyez justement, comme vous disiez, le monsieur loyal. Monsieur loyal, j'ai ami et monsieur loyal. Voilà, parce que vraiment, voilà, vous avez su justement un peu orchestrer toute cette visite guidée avec les interventions, parce que Fabien Lecoeuvre n'a pas manqué aussi de raconter les petites anecdotes. Honnêtement, j'en ai fait pas mal dans ma vie, mais c'était merveilleux, mais pas simple, mais c'était si extraordinaire à faire que moi aussi, ça me fait rêver. Bon, on continue, parce que c'est pas fini. Avec plaisir. Vous allez voir, on a un petit coup de cœur qui arrive, surprise, surprise, dans quelques instants.